Oh, c'est la première journée de la nouvelle femme de ménage aujourd'hui. Ah oui, c'est vrai. Elle s'appelle Fatima. C'est une portugaise. Et alors? Ben, les femmes de ménage portugaises, ça, ça frotte. On est là. Ben voyons, c'est connu, c'est les meilleurs. Peut-être seulement un préjugé. Comment ça, un préjugé? Ben... ça peut pas être un préjugé. Un préjugé, c'est négatif, alors que moi, je reconnais la domination du peuple portugais dans un domaine précis. Le ton chat, joué. Ah, c'est ça, le chat sort du sac. Quoi? C'est une activité que tu méprises, c'est ça? Ça n'a rien à voir. Évidemment, un métier homme qui a toujours été pratiqué par des femmes. Qu'est-ce que ça peut valoir, hein? Chantal. Tu vois, Dominique, ça, c'est un préjugé. Et ça me déçoit beaucoup de ta part. Au moins, essaye de ne pas être condescendant avec elle. En général, on ne sera pas là. Alors, on va vous laisser les sous juste ici, sur le comptoir. En argent comptant, ne vous inquiétez pas. On est très conscient que attendre 2 semaines que ton chèque de 50 piastres dégèle, c'est long quand tu as juste ça dans ton compte. Si tant de gens rêvent d'immigrer au Québec, c'est parce qu'ils savent qu'on y respectera leur dignité et qu'on mettra en valeur ce qu'ils ont à offrir. Ah oui, en passant, ça vous dérangerait-tu de venir le vendredi à la place? Comme ça, quand on reçoit le samedi, vous comprenez. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Ben, j'attends. On avait convenu qu'aujourd'hui, j'allais vous conduire et que je gardais la voiture. Oh, c'est vrai. Bon, ben, bonne journée. Oh, bien sûr, lorsqu'on vous ouvre aussi grand la porte d'un pays, on l'ouvre aussi à vos éventuels abus. Mais qui serait assez ingrat pour ne pas se montrer à la hauteur des attentes d'un hôte aussi généreux? Il y a sûrement certains clients chez qui vous donnez quand même un petit coup de plume. À peine. À ce point-là? J'ai même une cliente chez qui je ne vais pratiquement jamais. Qui est-ce qui ramasse votre paye, alors? Oh, je me suis arrangée pour qu'elle me fasse des chèques post-datés. Personne ne s'est jamais aperçu de rien. Ils me réfèrent tous à quelqu'un d'autre. Je refuse plein de clients. Fatima, vous savez tout comme moi à quel point les Québécois sont naïfs. Pourquoi vous profitez de la situation? Oh, si vous pouviez voir la joie dans leurs yeux que j'accepte de travailler pour eux, puis qu'ils se retrouvent tout à coup avec... une femme de ménage portugaise. Vous non plus, hein? Vous ne voudriez pas leur briser le cœur. Vous n'avez pas peur de rester prisonnière? Prisonnière de quoi? D'un cliché, Fatima. D'un cliché. Laissez-moi vous raconter cette anecdote troublante. Ce soir-là, j'allais au restaurant avec ma femme et sa meilleure amie. Elle s'appelle Nicole. Non, je te le dis, Chantal. Une perle. Je la recommande, hein. Vraiment. À ce point-là? Je suis en confiance avec elle. J'ai fait faire une clé. Elle vient quand je suis pas là. Et je sais que le ménage va être impeccable. Tu la vois jamais? J'ai pas le goût d'être dans ses jambes. Puis pour l'argent, tu laisses ça sur le comptoir avant de partir. J'aurais bien trop peur d'oublier, tu sais comment je suis. Non, non, on s'est arrangé pour que je lui fasse des chèques post-datés. Elle s'appelle... Qui? La femme de ménage? Non, cette Nicole. C'est quoi son nom de famille? Peu importe. Ça n'a rien à voir avec mon histoire. Qui m'a référé à votre femme? Est-ce que je peux continuer? Vous avez remarqué, j'espère? Quoi? Ben, c'est plein de Chinois. Je te l'avais dit, hein? C'est un restaurant chinois. Mais oui, mais un restaurant chinois où il y a plein de Chinois, c'est un bon restaurant chinois. Ah bon? Ben oui. C'est une garantie d'authenticité, tu sais, si... si les Chinois eux-mêmes y vont.
Kung Pao. J'ai du mal prononcé, là. Attends, je vais m'essayer. Kung Pao. Kung Pao. Kung Pao. Elle veut le numéro 7. Ah. C'était strictement intuitif, mais j'étais circonspect face à cette façon de définir un bon restaurant chinois. Et tout au long du repas, je n'arrêtais pas d'y penser. Je me demandais si, en observant très attentivement, je ne trouverais pas une autre façon d'expliquer les choses. OK. Le thé, c'est quoi, Nila? Diurétique. Mais c'est ça. Excusez, faut que j'aille aux toilettes. Ben, attends, moi, je vais y aller avec toi. C'est bon, j'ai compris, oui. Vous pouvez arrêter votre comédie. À part notre table, tous les clients ici, c'est des figurants, vrai ou faux? Oui. C'est parce que ça met les Québécois en confiance, c'est ça? Tu peux-tu garder le secret, s'il vous plaît? On a des familles à faire vivre. N'empêche que... Regarde. Moi, tout ce que je connais de l'Extrême-Orient, c'est Brassard, OK? Fait que tu penses pas que je suis tanné de faire semblant? En plus, il y a la toune. On n'est plus capable de personne, hein? Oui. Oui. Je peux comprendre, oui. En plus, on dirait que c'est toujours la même toune dans les restaurants chinois. C'est toujours la même. En plus, elle joue dans les restaurants vietnamiens aussi. Irresponsable en plus. Triste histoire, n'est-ce pas? Même les préjugés positifs sont vicieux. Même pas vrai, votre histoire. Mais oui! Non, il y a un message. Dans les histoires vraies, il n'y a pas de message. Mais les histoires où il y a des messages sont des histoires plates. Est-ce que vous vous êtes ennuyé une seconde? Bon, imaginons qu'il y a là, malgré tout, en filigrane, une habile métaphore qui nous dit que si les pays étaient des restaurants, celui-ci ne serait pas chinois. Du moins pas dans ce genre-là. Qu'il serait plutôt un établissement à la vocation un peu confuse, certes, désespérément à la recherche d'une spécialité, mais à la table duquel chacun serait généreusement invité à prendre place en tant que lui-même, sans artifice, les préjugés ayant été laissés au vestiaire. Enfin, la plupart des préjugés, j'imagine. Donc, je peux y aller? Oui. Je peux vous faire confiance? Ah oui. Je vous ai vraiment convaincu? Oui, oui. Vous allez faire le ménage? Oui. Eh bien, dans ce cas, au revoir. Comme ma femme vous l'a dit, l'argent est sur le comptoir. Raconter cette histoire, tout aussi édifiante que la première, à mon sens, mais par laquelle vous vous sentirez peut-être un peu plus interpellé. Est-ce que vous avez des enfants? Oui. Vous savez donc à quel point il est difficile de se trouver une gardienne digne de confiance? Oh, nous en avons une à laquelle nous tenons beaucoup. Elle s'appelle... Olga! Bonsoir, Olga. Bonsoir, Madame Arsena. Ça va? Ça ne pourrait pas aller mieux. Excellent. De toute façon, comment ça pourrait aller mieux alors que chaque jour qui passe nous rappelle que notre vie n'est qu'une longue attente de la mort, qu'elle ne sert qu'à faire le deuil de nous-mêmes et
que les rares joies qu'elle nous offre ne sont là que pour qu'on regrette les moments où on les a vécues. Parce qu'il n'y aura rien au-delà de notre existence. Rien. Sinon un souvenir qui se décomposera dans la mémoire de nos enfants. On va-t-il jouer dans ma chambre? Belle comme un cœur. Irresponsable en plus. Je te le dis, Nicole, c'est une vraie perle. Mais, c'est de vous son accent? Elle vient-tu d'Europe de l'Est? Vous parlez d'Olga? Je lui disais comment Ming l'aimait. Oh, ben, c'est normal. Les Slaves sont reconnus pour leur joie de vivre, hein? C'est imprégné dans leur culture, ça. Ben, je comprends. T'as lu Dostoïevski? Ben oui. À l'école? Souvenir de la maison des morts? Humilié et offensé. Et bien sûr, Crime et châtiment. Quel chef-d'œuvre, ça, quand même, hein? Transcendant. Tu sais, quand le personnage principal ouvre le crâne de la petite vieille à coups de hache. Pour ça que je suis contente que Ming soit en contact avec Olga. C'est tellement enrichissant pour elle, hein? Ben oui, je le sais comment on fait des bébés. Ah oui, comment? Ben, pour commencer, ça prend un monsieur puis une madame qui s'aiment très, très fort. Ils sont assez naïfs pour croire qu'un enfant naît de l'amour plutôt que de la fatalité. Ils n'en seront que plus profondément amers plus tard. Alors que cet enfant les aura rendus prisonniers l'un de l'autre. Et que dans cette prison appelée les couples, on les forcera à assister à la lente et implacable dégénérescence du corps qui les a un jour tant attirés. C'est là jusqu'à ce que l'âge transforme le désir en dégoût. C'est beau, là. On peut-tu jouer à quelque chose à ce temps? Si tu veux. Mais cette soirée allait nous donner l'occasion de remettre quelque peu l'âme slave en perspective. Olga est arrivée? Oui, elle vient juste. Elle est dans la chambre avec Ming. Allô, c'est nous autres! Allô! Je vous présente mon neveu, Jonathan. Oui, il est arrivé. Il va venir souper avec nous. Allô, Jonathan, ça va? Ça pourrait pas aller mieux. Excellent! Anyway, comment ça pourrait aller mieux quand chaque hostie de jour, tu t'aperçois que la vie, c'est juste comme une façon de t'occuper en attendant de mourir? Genre... C'est pour ça que je le prends avec moi de temps en temps. Ma sœur est plus capable. Ça donne un break. Elle sait plus comment dealer avec ça, là. C'est à ce point-là. Ah, il est en pleine dépression, cet enfant-là. C'est peut-être seulement à l'adolescence. Ben voyons donc. Il passe ses grandes soirées enfermé dans sa chambre à pleurer dans le noir. Oh oui, elle l'entend pleurer. Ben, elle l'entend pas comme telle, là. Il fait ça discrètement. Mais elle l'entend quand il prend des Kleenex, par exemple. Puis ça a l'air qu'il en prend. Beaucoup. Mais c'est bien ça, c'est l'adolescence. Dominique, tu prends ça pas mal à la légère, je trouve. Es-tu conscient du taux de suicide chez les jeunes? Puis le désarroi des garçons. Parce que les garçons sont en plein désarroi, hein? Ils arrêtent pas d'en parler dans les journaux. Mais je ne trouve pas pire qu'Olga. D'ailleurs, ils ont à peu près le même âge, non? Mais Olga, c'est pas pareil. Olga, c'est dans elle. C'est une espèce de particularité ethnique. Ouais. Oui, mais justement, qu'est-ce qu'une ethnie? Jonathan, tu viens? Qu'est-ce qu'une ethnie, sinon un groupe de personnes qui partagent un certain nombre d'usages qui peuvent apparaître étranges aux yeux des autres? Jonathan, tu viens-tu? Un groupe de personnes ayant en commun un dialecte parfois incompréhensible pour les non-initiés. Foule fru, Jean-Com? Une situation évidemment propice aux problèmes de communication. Jonathan, tu pourrais quand même démontrer un petit peu d'enthousiasme. Ben ouais, toi. On passait la soirée avec une matante et un couple du 4-5-0, tout excité d'aller s'intoxiquer au MSG dans un buffet chinois. Un instant, jeune homme. C'est pas un buffet. On parle ici d'une cuisine chinoise authentique. Ah oui? Ouais. Intinsalubre? Dans cette perspective, ne peut-on pas considérer les ados comme une ethnie? Après tout, eux aussi connaissent des problèmes d'adaptation et le sentiment d'être étranger au monde qui les entoure. Eux aussi connaissent l'émotion de reconnaître un compatriote. C'est Jonathan.
Si tu préfères rester ici, ça va, oui. Les filles se font venir de la pizza, tu en mangeras toi aussi. Ah oui, il est temps. Ah ouais, toute garnie. Bonne soirée. Eux aussi éprouvent le besoin de se retrouver entre eux. Dans la chaleur d'une espèce de petit ghetto générationnel. Alors, quand Chantal parlait de la particularité ethnique d'Olga, se trompait-elle d'ethnie? Comment ça se fait que t'es encore debout? Olga n'est pas allée te coucher. Pas encore. Comment ça, pas encore? Mais ça a l'air que c'était le tour de Jonathan premier. Après tout, on quitte l'adolescence comme on quitte un pays, en laissant derrière soi des façons d'être qui ne nous serviraient à rien là où on va. Madame Arsenault, déjà? T'es bien de bonne humeur, toi, d'un coup sec? Comment ne pas être de bonne humeur? Et comment ne pas hurler de joie du simple fait d'être en vie? Du fait de savoir que le bonheur peut venir se déposer sur votre peau en même temps qu'une caresse. La parcourir en suivant un frisson et se fondre en elle. La pénétrer par chacun de ses pores comme s'il voulait l'illuminer de l'intérieur. Quoi? Es-tu SPM ou quelque chose? Je fais ça pour vous encourager, oui. Je sais. Ça n'a pas l'air de marcher. Quand même, un peu. Est-ce que vous vous sentez coupable? Ça s'en vient là. Ce que j'essaie de vous dire, Fatima, c'est qu'il n'est pas correct de profiter du cliché de la super femme de ménage portugaise, alors que vous êtes la preuve même qu'il ne faut pas généraliser. Je veux dire, qu'est-ce que vous avez à gagner à ne pas être vous-même? À peu près 50 000 piastres par année, clair d'impôts. Bon, peut-être, mais d'un point de vue moral, alors même que les Québécois nous donnent l'exemple, en faisant inlassablement éclater les clichés à leur propos. Ils font ça, eux? Les Québécois ont eu la chance d'avoir des poètes nationaux qui ont su trouver les mots précis pour cristalliser leur identité nationale. C'est pourquoi ils se connaissent si bien eux-mêmes et refusent qu'on les enferme dans des lieux communs. Par exemple... Kung Pao. J'ai du mal à le prononcer, là. On dit parfois que les Québécois sont incapables de se brancher quant à la question nationale. Or, c'est extrêmement réducteur de dire ça. Elle veut le numéro 7. Ah! C'est pourquoi ils s'efforcent de nous faire comprendre qu'il y a plein de domaines où ils sont incapables de se brancher. Bien que le 12 me tente aussi. Prends le 12. Mais ça serait niaiseux, c'est ça que j'ai pris la dernière fois. Prends le 7 alors. Ouais. Vraiment incapable. Mais le 12, il est tellement bon. Un autre exemple? Fusion. Diffusion. Ce qui ne veut pas dire que les Québécois ne sont jamais capables de trancher lorsqu'il s'agit d'enjeux sociaux importants. Des fois, je suis tellement fière d'être Québécoise. Maudit qu'on sait se tenir debout. Autre cliché.
la femme québécoise, si farouchement indépendante et féministe, qu'on pourrait croire qu'elle n'a pas besoin d'un homme. Et pourtant... Pourtant, elle démontre chaque jour son besoin vital de ne pas être seule dans certaines situations. Excusez, faut que j'aille aux toilettes. Attends-moi, je vais y aller avec toi. Faudrait que j'aille aux toilettes. Ah, j'ai pas envie. C'est bon, je vais attendre. Je suis la pizza. Oui, pourtant, malgré ce qu'on pourrait croire, la femme québécoise ne cesse de démontrer qu'elle a besoin des autres, et même parfois des hommes, auxquels elle offre toutes les occasions possibles d'affirmer leur masculinité. Tu es sûr que tu n'aimerais pas mieux du beurre d'arachide? Comprenez-vous ce que je veux dire, Fatima? Est-ce que vous comprenez que nous nous devons d'être vrais? Que c'est une question de dignité? Je ne l'avais peut-être pas complètement convaincu. Pas encore, du moins. Mais il était clair que j'avais semé une graine dans un terreau fertile. Oh, bien sûr, Fatima ne se faisait probablement pas la même image que moi du Québec idéal. Peut-être n'y avait-elle même pas réfléchi. Mais on sentait chez elle, comme chez plusieurs, cette intuition de ce à quoi peut ressembler un monde meilleur, tout en harmonie. Et d'ailleurs, le soir même, je sentis que quelque chose avait changé. Allô tout le monde! Allô maman! Mmh. Puis Fatima? Et quoi Fatima? Je vais aller voir la salle de bain! Oui, le monde était meilleur qu'il ne l'était lorsque nous nous étions levés ce matin-là. Un préjugé avait été renversé. Mais voyons, il est bien mal fait ce ménage-là. Je ne trouve pas. Un cliché était mort. Mais une portugaise, c'est pas censé botcher? Je ne trouve pas que ça a été botché. Regarde! C'est propre. Non, c'est pas propre. C'est clean. Non, c'est pas clean. C'est parfait. Non, non. Oh non. C'est une arme. C'est un symbole religieux. C'est une arme. C'est un symbole religieux. C'est une arme. Dominique, comment faire du mal à son prochain avec un objet destiné à exalter sa spiritualité? I gotta check la prostate. Cool it down, s'il vous plaît. Hey yo, dans un instant, bébé au franc-tireur. On va franc-tirer premièrement avec mon pote Camaro, un chanteur qui est bourré de fric, bébé, yeah! Et reportage sur des gens qui ont un peu moins de fric, les assistés sociaux.